Bon, Maurice Garry, j'ai été le dernier patron sur le Saint-Marc et sur la drague TD6, puisque je faisais les deux en même temps. Et puis le bateau, le canot, on a dû l'avoir mois de mars ou avril 90, et j'ai dû le garder 5 ans. Grosso modo, hein, je parle. Donc ce bateau-là, il a été débarqué, vous aviez vu avec qui? Avec les ponts et chaussées, c'est ça, de Ça, l'époque? avec l'ingénieur, oui. L'ingénieur d'armement. Oui, voilà. Je lui avais D'accord. demandé si c'était possible. Ben, il me dit oui, emmenez-le. Allez. Donc le bout blanc, lui, était parti à la ferraille. Oui. Il restait plus que le Saint-Marc. Le Saint-Marc a fait combien de temps à la fin? Oh. Une année? Même pas. Même Quand, pas? ah, quand il est. Quand la TD6 est venue, comment, là, est venue en service, ça a été fini, hein. D'accord. Ah oui, quand la drague est venue, l'aspiratrice, là, comment, La Capdonis. Cap de Nice. Oui. D'accord. Et Mais on donc. avait débarqué, oh, on avait débarqué, oh, oui, au moins 6 mois avant que la Capdonis ait pris du service, hein. D'accord. Donc là, après, ce bateau-là est parti. Vous l'avez emmené où quand vous l'avez débarqué? Vous l'aviez débarqué à la Ville-en-Bois, c'est ça? Oui. Quand les bateaux étaient désarmés. Voilà. Donc en 89. On a tout désarmé, les chaînes, enfin le mouillage, tout a été débarqué. D'accord. Et donc ce bateau-là, après, vous l'avez emmené où? Moi, Ce canot de sauvetage, vous l'avez emmené au plomb, c'est ça? si on l'a emmené au plomb, D'accord. puis je l'ai aménagé pour moi. D'accord. Donc de la Voilà. pêche plaisir. Ça fait plaisir, oui. Voilà. Et après, ce bateau-là, vous l'avez gardé donc combien de temps à peu près? 5 ans environ, 5 ans et demi à peu près. Hein. 5 ans et demi à peu Ouais. près. Et c'est qui après qui l'a récupéré? Oh ben, Chacha, Sacha, donc comment que c'est déjà son nom? Jean-Louis. Jean-Louis. Jean-Louis Chasseau, dit le Chasseau, chat. dit le chat, oui. Voilà. Bon, donc voilà. Donc c'était Maurice Garret, l'ancien capitaine du porteur Havas Saint-Marc. Un grand merci, monsieur Garret. De rien.